gloire à Dieu, terre écoute de sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu, mais au Père, Jésus est vainqueur de toute la terre. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire, par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, car écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais au Père Jésus, vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Dieu. Et Jésus, la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de l'en allégresse quand il revient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu, les opères, Jésus, vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Nous parlons du mystère du feu et l'autel. Et nous expliquons à l'église de Jésus-Christ que chaque autel a son feu. Each altar has its fire. Sur chaque autel, on invoque un feu. Upon every altar we call upon a fire. Et le feu est le symbole de l'esprit. And the fire symbolizes the spirit. Quand tu vois quelque chose qui existe, when you see something that exists, quand tu vois quelque chose qui fonctionne, when you see something that works, il y a un esprit caché derrière. The spirit hidden behind et c'est cet esprit qui fait fonctionner la chose, that's where you make the things work, qui est un feu. That's a fire. Et en réalité aussi, reality too, la Bible nous a dit dans Jérémie chapitre 23, verset 29, the book of Jeremiah, chapter 23, verse 29. Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Is my word not like a fire? Donc, en dehors de l'esprit, except the spirit, de l'onction, anointing, caché derrière ce qui marche, ce qui évolue, ce qui prospère, hidden behind what prosper or evolve. La parole aussi est un feu. The word is a fire too. La parole aussi est un feu. The word is a fire too. La parole aussi est un feu. The word is a fire too. Et depuis hier, nous parlons du feu satanique. Since yesterday, we talk about the evil fire. Nous parlons du feu satanique. We talk about the evil fire. Lorsque nous sommes connectés à un feu satanique, when you are connected to an evil fire, on voit juste les répercussions, mais on ne sait pas pour la plupart que c'est un feu satanique qui nous perturbe. We just see the consequences, but we don't know that an evil fire is disturbing us. Et nous avons expliqué qu'il y a des familles qui souffrent aujourd'hui. We explained some families are suffering nowadays. Parce qu'un membre de la famille est allé prendre quelque chose parce qu'il voulait prospérer dans ce qu'il fait. Because a family member went to take something because he wants to be prosperous. Il y a des gens qui sont allés prendre les bocas. Some people went to take a boca. D'autres sont allés prendre les oignons. Others went to take onions. D'autres sont allés prendre des calabasses. Others took calabash. D'autres sont allés prendre des fétiches. Others went to take fetishes. D'autres même ne sont pas allés prendre, on est venu déposer chez eux. Some people, they were dropping it in their houses. Il y a quelques jours, les gens qui sont au chantier ont découvert, ils ont trouvé une tortue dans le chantier. A few days ago, people working the buildings had discovered tortoise. Donc, les gens sont venus jeter la tortue. People threw it there. Dans le chantier. In the building site. Donc, il y a des personnes. There are people. Qui ont la capacité en entrant chez vous. Have ability to entering your house. Ils viennent déposer un feu. They drop a fire. Et quand ils sortent de là, c'est la guerre entre les conjoints. Out of there, it's a war between the partners. Est-ce que tu sais qu'il y a des familles? Do you know there are families? Quand les sorciers du village n'arrivent pas à gâter la famille, on envoie un petit neveu du village venir rester dans la famille. When wizards cannot spoil the family, they send the nephew of the village to stay in the family. Et le petit neveu qui vient du village là, quand il met ses pieds dans votre maison, when that nephew enters your house, il y a plus d'harmonie. There is no more peace. Les enfants commencent à tomber malades. Children start falling sick. Ceux qui étaient intelligents, those who were intelligent, commencent à devenir idiots. Start becoming idiots. Les problèmes dans les finances. Problems in finances. Parce qu'on a transporté à partir d'une personne un feu qu'on a déposé
dans la maison. Because they trap a fire in the house. Mon peuple périt faute de connaissance, dit Dieu. People perish because of lack of knowledge. Je vous ai souvent dit ici qu'il est préférable d'aider les gens, certaines personnes dont vous ne connaissez pas l'identité spirituelle à distance. It's better for you to have some people at distance. Quand tu ne connais pas l'identité spirituelle de quelqu'un, we don't know the spiritual identity of il ne faut someone. Pas l'héberger chez toi sans savoir qui est la personne. Don't lose him in the house without knowing who he is. Il y a des gens qui sont entrés dans vos vies some people have entered in your life. Avec des choses que vous ne maîtrisez pas. With things that you don't master. Et ces choses ont déposé un feu satanique dans vos vies. And those things have dropped an evil fire in your life. Et vous voyez donc que vous subissez les problèmes. Écoutez bien. Pour créer les problèmes, c'est facile. Creating problem is easy. Mais pour arrêter ça, c'est compliqué. But to solve it, it's complicated. Pour donner la sorcellerie à un enfant, c'est simple. Giving witchcraft to a child is simple. Mais pour enlever ça, c'est compliqué. But to remove is complicated. Bon, plusieurs par ignorance. Many by ignorance. Plusieurs par légèreté. Many because of negligence. Plusieurs par fausse hospitalité ou fausse gentillesse. Many because of fake kindness. On laissait n'importe qui entrer chez eux au nom de l'amitié. They let any type of person enter in their houses because et quand cette personne entrait chez toi, when those people entered in your house, les choses que la personne a laissées en sortant, the things the person left while leaving, il y a même d'autres sorciers, quand il arrive chez toi, première chose, où sont les toilettes? The first thing for someone is where are toilets. Il sait ce qu'il va aller jeter dans tes toilettes. He knows what he will throw there. Et quand lui sort de là, and out of there, vous ne vous voyez même plus. You no more see each other. Le feu satanique qu'il a laissé dans ta maison commence à faire le travail. The evil fire start working your house. Alors je te parle ce soir du feu satanique par les paroles. So now talk about the evil fire to words. Est-ce que tu sais qu'il y a des paroles? Do you know there are words? Lorsqu'on déclare ça contre toi, when they are declared against you, ça dépose un feu sur ta vie. They drop a fire upon your life. Et ce feu commence à gâter, détruire, paralyser ce que tu fais. And that fire start destroying what you do. La Bible dit, the Bible says, Dieu était tranquille, God was quiet, dans ce qu'il faisait. In what he was doing. Et le diable, the devil, elle s'est insérée dans la réunion. Entered in a meeting. Et le diable est venu parler contre une personne appelée Job. He spoke against a person called Job. Et dès que le diable a parlé, when the devil spoke, les problèmes de Job ont commencé. The problems of Job started. Lisons 1 Chronique chapitre 21 verset 1. First Chronicles chapter 21 verse 1. 1 Chronique chapitre 21 verset 1. Nous parlons du feu satanique par les paroles du diable. Il y a plusieurs personnes qui souffrent aujourd'hui. Many people are suffering today. Parce que le diable, because the devil, a mis sa bouche, has dropped his mouth, dans leurs affaires. Their businesses. Et le diable ne viendra pour la plupart jamais en disant je suis le diable. The devil will never come to present himself. Le diable peut intervenir dans ta vie en passant par une personne. He can intervene your life while using someone. Le diable peut intervenir contre toi en passant par un humain. He can intervene against you through a man. Mais tu ne sais pas que là c'est le diable. You don't know there is a devil. 1 Chronique chapitre 21 verset 1. Il est écrit. Il est écrit. Satan se leva contre Israël. Uh-huh. Et il excita David à faire le dénouement d'Israël. Laisse ça, on s'arrête là. Moi, je lis dans ma version pour que tu comprennes. Un jour. One day. Un jour. One day. Satan cherche à faire du mal au peuple d'Israël. Satan wanted to do evil to the Israelites. Satan cherche à faire du mal à une personne. Satan wanted to do evil to one person. Est-ce que tu sais que tu te lèves normalement? Do you know that you wake up normally? Tout va bien dans ta vie. All is going well in your life. Tout est normal depuis hier. Everything is normal as of mais yesterday. Satan cherche à te faire du mal. But Satan is trying to do you evil. Toi, tu crois que c'est comme ça s'est passé bien hier que ça va bien se passer aujourd'hui? You think as it happened well yesterday, it will happen well today. Mais on a l'habitude de dire, but we used to say, c'est quand c'est calme qu'il faut se méfier. When it is quiet that you must mistrust. Satan cherche un jour à faire du mal aux enfants de Dieu. Satan wanted to do evil to the children of God. Alors, so, il pousse David à compter les Israélites. He pushed David to count the Israelites. En fait, Satan veut détruire un peuple. Il parle à David en disant, fais ce que Dieu n'a pas dit. Satan wanted to destroy people and he talked to David while saying, do what God has not said. Il y a beaucoup d'hommes ici dehors. There are many men out there. Parce qu'ils ont eu les mauvaises femmes. Because they had bad wives. Satan est passé par elles. Satan used them pour les pousser à faire ce que Dieu n'a pas dit. To push them to do what God has not said. Il y a beaucoup de jeunes filles. There are many young girls. Parce qu'elles ont eu les mauvaises compagnies. Because they had bad companies. Satan est passé par leur compagnie. Satan used their companies pour faire ce que Dieu ne leur a pas dit. To do what God had not told. Une parole venant d'une personne à qui tu as confiance peut te dérouter.
A word coming from a person whom you trust can divert. C'est pour ça que je l'ai dit hier. That's why I said it yesterday. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bad companies corrupt good character. Tu marches avec la mauvaise personne. If you work with a bad person, Satan peut l'utiliser. Satan can use her. Et te dit de faire ce que Dieu ne t'a pas dit. To do what God has Est-ce que not tu told connais you? L'histoire du jeune et du vieux prophète? Do you know the story of the young and old Le prophet? Vieux prophète était serviteur de Dieu. The old prophet was a servant Mais of God. Satan a utilisé sa bouche Satan used his mouth. Pour pousser le jeune prophète à faire ce que Dieu ne lui avait pas dit. Vous venez à l'église aujourd'hui avec la bonne volonté pour servir Dieu, pour marcher dans les voies de Dieu. C'est dans l'église que vous venez trouver des compagnies, des nouvelles sœurs, de nouvelles copines qui vont vous dire ce que Dieu n'a pas dit. Avec l'expérience, j'ai compris que plusieurs suivent leur culte après le culte. Toi, tu crois qu'ils sont assis là, ils sont venus pour suivre la parole. C'est à la fin du culte que dans les commentaires, ils reçoivent leur vrai culte. Je vous parle. Si nous on a réussi les affaires des églises ici, c'est parce qu'on n'a pas fait amitié avec les gens. Je veux tenir même l'amitié là. Faites amitié. Si vous avez le même centre d'intérêt, je suis choqué de voir des gens. I'm shocked to see people. On peut être frère We can be brothers, en Christ, in the Lord, sœur sisters, en Christ, in the Lord, mais on n'est pas amis. But we are not friends. Comment vous faites? How do you do? Juste parce que Just vous êtes jeune you are young, et à l'église, and in the church, vous tissez amitié avec. Écoutez, il y a des gens qui ont les démons. Hein. Some people have demons. Il y a des gens qui sont possédés. Some people are possessed. Il y a des gens qui ont l'esprit des sorciers. Some people have maybe spirits. Il y a des esprits de sorcellerie. Spirits of witchcraft. Vous venez faire amitié avec eux à l'église. You become friend with them in the vous church. Les connaissez où? Where do you know them? L'église même, c'est rien. The church is nothing. Sur Facebook, on Facebook, les réseaux sociaux, the social media, juste parce que vous êtes écrit deux fois, just because you tu l'appelles mon ami. To each other two times tu sais même c'est quoi l'ami? You know who is a friend? J'ai expliqué dans cette église. Dans ami, il y a âme. In friend, there is soul. Donc quand tu dis c'est mon ami, when you say, he's my pronom friend, possessif, possessive tu pronom. Connectes ton âme à son âme. You connect your soul to his soul. Et Jean dit à Gaius, John told Gaius, bien-aimé, beloved, je souhaite que tu prospères à tous égards. I wish you to be prosperous et que tu sois en bonne santé. And be in good comme health, prospère l'état de ton âme. As your soul prospers, ton âme your soul, connectée à l'âme d'une sorcière connected to the soul of a witch, va polluer ton âme. To pollute your soul. Ton âme Your soul. Connecté à l'âme d'un perdu Connected to the soul of a va loser. Polluer ton âme. Pollute your soul. N'appelle pas tout le monde mon ami. Don't call everybody my friend. Mais vous faites même comment pour trouver How do you do to find dans les relations du jour au lendemain relationship from one day to another, la force pour les traiter d'amis. The strength to call them friends. Ce n'est pas l'inconscience. It's not unconscience. Satan dit à David. Satan told David. Fais le comptage. Count. Parce qu'il sait que Dieu ne voulait pas ça. Because he knows God didn't want that. Et je te rappelle que ce David a écouté la voix de Dieu hier. David listened to God's voice yesterday. Et quand il parlait de la part de Dieu, when he talked in the behalf le peuple of God, savait. The people knew. Donc quand le lendemain, so the next day, il revient, he comes on back. A l'impression que c'est encore Dieu. We feel like it's still God. La vie chrétienne est une vie de discernement de chaque jour. Christian life is a life of la discernment. Même personne qui t'a parlé de la part de Dieu hier, Satan peut l'utiliser demain. The same person who talked in the behalf of Un God, jour God, Jésus se lève tomorrow. Et il pose la question qui suit. Just ask, who am Tout I? Le monde a échoué. Everybody failed. Les gars avaient 0 sur 20. They have the mark et of un se lève. And once two, on l'appelle Simon. He's called Simon. Il dit à Jésus, Simon told Jesus, tu es le fils de Dieu. You are the son of God. Tu es le fils de Dieu. You are the son of tu es God. Le fils de Dieu. You are the son of et God. Jésus lui dit, And Jesus told ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela. It's not the flesh that revealed mais c'est l'Esprit that. Du Dieu vivant. But the spirit of the c'est l'Esprit de mon Père the spirit of my qui t'a révélé cela. That revealed you that. Tous les disciples, All the disciples ont donné le chapeau, le café à Pierre. Respected Peter. Donc tu es le seul parmi nous à qui Dieu parle réellement. You're the only one who's quelques heures après, later, quelques heures après, later, Jésus dit qu'il faut qu'il parte de la terre, il faut qu'il meure et qu'il sauve le monde. Jesus said he must ascend. Le même Pierre se lève the same Peter stood. Et il dit qu'il ne peut pas, Jésus ne peut pas mourir. Jesus cannot die, he said. Jésus ne peut pas mourir. Jesus cannot die. Et ce Jésus lui dit, And that Jesus told him, le même qui lui a dit hier, the same who told him yesterday, l'Esprit de Dieu te utilise, the spirit of God uses le même Jésus lui dit, the same Jesus told arrière de moi Satan. Behind me, Satan. Il y a quelques heures, a few hours Dieu l'a utilisé pour parler. God used him to talk. Quelques heures plus tard, Somehow, c'est Satan qui l'utilise. Satan dans la séduction satanique, seduction, le diable devil, ne viendra pas te parler en to utilisant you, la forme d'un démon. Mais il va venir te parler en utilisant to quelqu'un à qui tu as confiance. Why using someone in whom you trust?
C'est la raison pour laquelle, pour détruire des gens, that's why to destroy people, on passe par les gens qui étaient proches d'eux. They use those who were close to them. On passe par les gens à qui les personnes avaient confiance. They use people in ne t'en fais pas. Tu ne verras pas ça venir. C'est la personne même à qui tu as le plus confiance. The person you trust the most. C'est la personne à qui même t'a même parfois fait du bien. The person at time who has done you c'est good. Pas la personne là it's through that person que Satan peut passer that Satan can pass pour parler. To talk. Afin de te détruire. In order to destroy you. Le même pierre the same Peter que le Saint-Esprit a utilisé. That the Holy Spirit c'est used. Le même pierre the same Peter que Satan a utilisé. That Satan used. Le feu satanique evil fire peut utiliser la bouche de n'importe qui. Can use the mouth of any type of man. David se lève David too, et il dit au peuple and he told the people, dénombrement count. Qui t'a dit de dire ça? Who told you to say ils sont comme ça à l'église. That's how they are in the c'est la raison pour laquelle that's why on voit dans l'église we see in the church, les gens qui aiment les prophéties. People who like prophecies. Moi j'ai prié dans la nuit, j'ai rêvé que I was praying at night, écoutez-moi that, bien listen to me quel well, qu'en soit le rêve the matter, the dream, la prophétie the prophecy, que vous avez sur un frère, une soeur that you have upon the brain, interdiction the Lord, de lui donner ça sans passer par un homme de Dieu. Prohibition to remove without going to a man of God. Écoutez-moi. Listen to me. Les églises où on laisse tout le monde prophétiser churches where they leave everybody to prophesy, ont beaucoup de personnes animées d'esprit de Python. How many people feel of the spirit of Python? Écoute-moi, moi j'aime le dédon. I like the gifts. Je crois donc de l'esprit. I believe in the gift of the spirit. Mais là où on laisse les dons se manifester sans la régulation, where gifts are manifested without regulation, sans le contrôle, without control, les esprits de serpents vont se glisser. The spirits of snakes will slide. Si tu reçois une révélation, if you receive a revelation, sur un frère ou sur une sœur de l'église, on the brethren in the Lord, dis au pasteur. Tell the pastor. Est-ce que tu sais? Do you know? Oh, j'ai fait le rêve que le père a fait vacciner les morts. J'ai fait le rêve que le père, on l'a empoisonné les morts. J'ai fait le rêve que le père tombait dans un grand trou. J'ai fait le rêve. Le diable peut te donner les rêves là pour que tu dises ça. Et ça devient une semence dans l'esprit de celui à qui tu as dit. Et à cause de la peur, la semence grandit. Et ce que tu as vu se réalise. Ce n'est pas interdit que le diable veuille me tuer ou veut tuer quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu as le mandat de dire? La Bible dit dans Jacques chapitre 3 verset 1, il n'est pas bon que tous parlent en public. Il n'est pas bon que tous enseignent. Donc tu peux recevoir, mais tu n'as pas le mandat de transmettre. Il y a des gens qui ont l'onction prophétique pour voir. Il y a d'autres qui ont l'onction prophétique pour dire. Tu peux voir, tu n'as pas le droit de parler. Si tu vois, donne l'information à celui qui a le mandat pour parler. Et moi, j'aime pas les gens qui n'ont que les prophéties négatives. I don't like those who only have negative prophecies. Toi, tu ne rêves que des morts. You only dream about toi, tu ne rêves que des accidents. Only dream about accidents. Tu ne peux pas rêver qu'une soeur s'est mariée. Can you not dream that tu ne peux pas rêver qu'un frère a eu son visa. Or brother has his visa. Tu rêves seulement que les gens ont les problèmes. Just dream that people have problems. Tu n'es pas loin you are not far d'être connecté à un feu satanique. And be connected to an evil fire. C'est quelle vie ça? What kind of life tu is ne that? Vois que les choses négatives. You just see negative things. Parlant des démons là, demons, ils sont un tiers, les anges sont deux tiers. Pourquoi tu vois seulement ce que les démons font et tu ne vois jamais ce que Dieu fait? You never see what God does. Dieu a la majorité, God has a majority, mais ton esprit baigne but your spirit is dans ce qui est négatif. Is réveille-toi, wake up, cherche la délivrance. Seek deliverance. Amen. Même Jérémie, even Jeremiah, qui était utilisé par Dieu pour dire les choses dures, who was used by God to say clear à un moment dit à Dieu, je ne veux plus. At a given time, he told God, c'est quelle vie ça? What kind of life tu vas mourir. Die. Tu vas mourir. You will die. Tu vas mourir. You will die. Jérémie a dit à Dieu, je ne veux plus. Jeremiah denied it. Mais toi, tu te plais but you delight à voir les rêves des serpents. To see snakes in your j'ai vu un serpent hier. I saw snake yesterday. Ta vie, toi, tu crois que tu es normal? Do you think you are normal? Il y a des gens ici qui ont la sorcellerie inconsciente. Some people have unconscious witchcraft. Tu ne sais pas que tu es sorcier. You don't know you are wizard. Parce que tu vis dans le règne de l'esprit, the reign of the spirit, connecté connected aux esprits impurs. To unclean spirits. Et ce n'est que ça que tu vois. But you only see them. C'est pas bon. It's not good. Cherche la délivrance. Seek deliverance. Amen. Une personne née de nouveau person who is born again, en cherchant la délivrance peut aussi voir les promesses de Dieu, peut aussi voir les bonnes choses qui viennent de Dieu. Yes. Good things coming from God. Quand tu vois que parmi tes enfants à la maison, you see, among your children at home, il y a un là there is one qui aime sortir les paroles négatives, who likes to declare negative words, qui aime toujours dire des choses bizarres, often like to say word things, amène-le à la délivrance. Bring him to deliverance. C'est pas bon. It's not good. Tout ce qui vient du diable, all what comes from c'est the d'abord devil négatif. First of all, negative. C'est d'abord les problèmes. First of all, c'est d'abord la division.
c'est toujours la mort. C'est le diable. On peut être à la maison. We can be at home. Et on dit des choses qui sont qui parlent de la joie. We talk about things that l'harmonie, peace, l'entente, le partage. Help sharing. Mais toi, quand tu ouvres ta bouche, when you open your mouth, tu vas nous lâcher toujours un truc négatif. You always release a negative thing. C'est parce qu'en fait, ta vie est connectée à un feu satanique. Because your life is connected to an evil fire. Le diable te parle trop. The devil talks to you a lot. Le diable te parle trop. The devil talks to you a lot. Le diable qui a parlé à Ève. The devil who talked to Eve. C'est lui qui a poussé le monde à la dérive. Push the world to be destroyed. La parole du diable. Word of the devil. Que tu laisses prospérer dans ton esprit. That you let prosper in your spirit. Va te pousser à la destruction. Push you to destruction. La parole du diable. Word of the devil. Que tu laisses prosperer dans ton âme. That you're able to prosper in va your soul. Va te pousser à la mort précoce. Push you to premature death. David reçoit une instruction du diable. David received an instruction of the devil. Que Dieu n'a pas donné. That God had not given. Lui, le diable ne veut pas tuer David. The devil doesn't want to kill David. Le diable veut tuer le peuple. But he wants to kill the people. Mais il parle à une voix autorisée. But he talked to an authorized ta voice. Mère que tu aimes qui t'aime peut être utilisée par le diable. The mother can be used by the devil. Ton pasteur que tu aimes qui t'aime peut être utilisé par le diable. Pastor can be used by the devil. Le diable ne respecte personne. The devil respects nobody. Petit moment de distraction. Small time of distraction. La voix du diable peut retentir par la bouche de l'ancien. The voice of the devil can sound through the mouth of the elder. Soyez vigilants. Be vigilant. Parfois, les hommes de Dieu sont freinés dans leur ministère. At times, men of God are breaking. Parce qu'un proche lui a dit, papa, tu vois pas que c'est trop pressé. Because the collaborators say, don't you see it's in haste? Est-ce qu'on est obligé de dépenser autant d'argent pour construire? Are we obliged to spend a lot of money to build? Mon ami, my friend, c'est là où Jésus a dit à Pierre. That's what Jesus told Peter. Arrière de moi. Get behind. Satan. Toi, tu trouves qu'on a le temps. You think we have time. Toi, tu trouves qu'on a le temps. You think we have l'archevêque time. Honoré qui était ici il y a quelques jours. Archbishop Honoré was here few days en 2015, in 2015, il m'a dit, révérend, he told me, Reverend, le seul conseil que je donne pour ton ministère quand tu commences là, my advice for you, cours avec la vision. Run with the vision. Il n'y a pas le temps. There is no time. Et je me rappelle d'Éphésiens 5, verset 16. I remember about Ephesians, rachetez le temps. Within the time. Car les jours sont mauvais. For the days are evil. Un jeune qui croit qu'il est trop jeune a young guy who thinks he's so sera young, surpris. Will be surprised. Que le temps ne lui appartient pas. That time does not belong to him. Quand tu vois quelqu'un te dire, mais tu es encore jeune, tu vas faire quoi dans les églises? When somebody saying you are still young, cette personne-là, that person c'est le diable. Is a devil. Tu as l'argent. You have money. Tu es belle. You are beautiful. Tu as le travail. You have a tu es job. Intelligent. You're intelligent. Tu vas faire quoi dans les églises? What do you do in churches? C'est la voix du diable. It's a voice of the devil. Mais là, ce qu'il te dit là est sensé. Says, parce qu'on croit que les églises c'est pour les fous. Because people think churches are for c'est pour ceux qui se font arnaquer. For those who are being crooked. C'est pour ceux qui n'ont rien à faire de leur vie. For those who have nothing to do with tu vas life. Faire quoi là-bas? What are you going to do mais there? Ce que tu ne sais pas. What you don't know. Il te dit ça avec des belles phrases. He says with beautiful sentences. Parce qu'il a une licence ou une maîtrise. Because he has a bachelor's il, connaît, degree. Il connaît un peu le français. He knows how to speak French. Mais ce que tu ne sais pas. But what you don't know, c'est la voix du diable. It's a voice of the devil. Tu as bien commencé à servir Dieu. You started serving God well. Quelles sont les voix que tu laisses what te parler? Are the voice you listen? Ils sont parfois dans l'église. At times they are in the church. Ils sont parfois dans l'église. At times they are in the church. Fais attention. Hein. Be careful. L'œuvre-ci this work est délicate. Is delicate. Ta foi your faith dépend de ce que tu écoutes. Depends on what you listen. Ta foi your faith dépend de qui tu écoutes. Depends on who you listen. La Bible dit the Bible says, la foi vient de ce qu'on entend. The faith is being sure. Maintenant, ce qu'on entend vient de quoi? What does it come from? Ce qu'on entend vient de qui? From who does it come from? Il ne te dit pas, ne parle plus à l'église, mais il te parle seulement. He just talked to you. Il sabote l'église. He slanders the name of the il sabote un ancien. He slanders the name of il sabote elder. Un pasteur. He slanders the name of il sabote pastor. L'homme de Dieu. He slanders the name of the il man dépose of God. Une parole lié au feu satanique. He just one link to the evil fire. Et la parole va peut prospérer après 3 ans. That word can prosper after 3 years. Toi tu crois que tu t'en fous mais c'est une semence. It is a seed qui a pour but that has a goal de te déconnecter disconnecting you du feu de Dieu. From the fire of God.
David. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. He's a man according to God's heart. David. C'est l'adorateur par excellence de Dieu. He's a most excellent worshipper. David. C'est le fils de Dieu. He's a son of God. Rejeté par son père mais aimé par Dieu. Rejected by his father but loved by God. Minimisé par ses frères mais valorisé par Dieu. Underestimated by his brother but mais ce jour-là, but that day, Satan lui a dit petit. Satan told him, guys, fais ce que je dis. Do what I say. Et David a dit amen. And he said amen. Même si quelqu'un a cru even if somebody 20 ans avant toi, believed 20 years before petit him, moment de distraction, small time of distraction, Satan peut l'utiliser contre toi. Satan can use him against you. J'ai souvent entendu des gens nous dire I usually hear people say, les affaires d'église, on a fait ça avant vous. We went to churches before vos you. Affaires de pasteur, on connaît ça par cœur. We know how they are. Il croit qu'il a dit un truc sensé. He thinks he said something mais that c'est makes un inconscient sense, but he's unconscious. Que Satan est en train de manipuler. That Satan is manipulating. On ne connaît pas Dieu. We don't know God. On découvre Dieu chaque jour. We find God la Bible every day. Dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. God has been found by those who seek c'est him. Conjugué au présent et non par ceux qui le cherchaient. It is in the present tense. Chaque jour, every day, on découvre Dieu. We find même si tu es pape, even if you are the évêque, pope, bishop, prêtre, priest, pasteur, prophète, docteur, doctor, tu ne peux pas connaître Dieu. You cannot know chaque God. Jour qui passe, yes. Il laisse qu'on découvre une parcelle, une partie, you une portion, a portion de lui. Of himself. Donc quelqu'un qui se lève somebody who stands, et il tape la poitrine. Je connais les églises. Je connais vos pasteurs là. Pastor, c'est pas de sa faute. Soit il est sorcier, wizard, soit il est manipulé. Or he's manipulated. Tu peux croire aujourd'hui, tu fais une expérience avec Dieu que nous on n'a jamais eue. You can believe today you make an experience we have never had. Tu peux croire aujourd'hui, tu vis une expérience avec le Seigneur que nous on n'a jamais vécu. You can believe today and you live an experience we have never lived. Pierre et ses collègues, Peter and his colleagues, ont dormi, mangé, vécu avec Jésus pendant près de 3 ans. They lived with Jesus for 3 years. Mais ils n'ont jamais vécu ce que Saul qui est devenu Paul a vécu. They never experienced what Paul experienced. Ce que Saul a vécu, what Saul experienced, transporté au troisième ciel, transported at the third heaven, il voit Jésus face à face. He saw Jesus face et je te rappelle face. Que le Jésus que Saul a vu Saul qui est devenu Paul became n'était Paul. Pas le même que les autres ont, avec lequel ils ont marché. Ils ont marché avec un Jésus crucifiable. Ils ont marché avec un Jésus insultable. They worked with the Jesus that could be insulted. Ils ont marché avec un Jésus piétinable. They worked with the Jesus that could be crushed. Ils ont dormi avec un Jésus rabaissable. With the Jesus that could be belittled. Mais le Jésus que Saul Paul a vu, the Jesus Paul saw, c'est un Jésus glorifié. Was glorified. C'est un Jésus élevé. Elevated. C'est un Jésus tout-puissant. He's almighty. Parce que la Bible dit, because the Bible après says, être humilié, after being humiliated, il a reçu le nom he received the name, au-dessus de tout nom. Above all names. C'est celui que Paul a vu. He's the one Paul saw. C'est celui que Paul a touché. He's the one Paul touched. C'est celui à qui Paul, de qui il a reçu les instructions. Mais Pierre te dira, c'est à moi qu'il a laissé les clés de l'église. Mais Paul n'a pas reçu les clés, mais une révélation qui l'a poussé à connaître Dieu plus que l'autre. Mon ami, si tu viens de croire, ne te laisse pas intimider par les vieux prophètes. Tu vivras tes expériences avec ton Dieu. Il te parlera. Il te visitera. Il t'utilisera. Amen. Dieu va t'utiliser. Amen. Ouais, ton amen me dérange. Amen. Le Seigneur va t'utiliser. Amen. Tu vas vivre des expériences surnaturelles. Amen. Oh, ton amen me dérange. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. Si quelqu'un a perdu la foi, if somebody lost his faith, dis-lui qu'il t'excuse. Toi, tu ne fais que commencer. You are just beginning. Mon ami. My friend, on a vécu toute qualité. He went through every kind un pasteur qui est venu avant nous. A pastor who came before us. Parce que le pasteur principal est énervé. Because the main pastor vexed il insulte him. Le pasteur principal sur la cour. He insult the main pastor on the court. Il insulte la dîme. He insult the tithe. Il insulte tout le monde. He insults everybody. Vous allez me faire quoi? What will you do? J'ai cru en 94. I believe in the year 94. Il insulte comme ça. That's how he insults. Pendant qu'il le fait, why he's doing nous qui rions avec lui quelques minutes avant, on s'écarte. Withdrew. Et tu sais quoi? You know what? Alors je te parle. As I'm talking, ce monsieur, that man, sa vie n'a pas de sens. His life makes no sense. Ne fais pas confiance à quelqu'un qui était là avant toi mais qui est perdu aujourd'hui. Don't trust someone who was there before you but who is lost. Quelqu'un today. Peut être assis à l'église mais il est perdu. Somebody can be sitting in the church but lost. Il y a plusieurs qui ont eu des fois qui ont fait naufrage. Many had faith that sink. Tu le vois, il est pasteur. He's a pastor, il a une église. Has a church, mais sa foi fait naufrage. But his faith sinks. Avec l'expérience que j'ai, je n'ai pas besoin de t'écouter 2 heures. I don't need to listen pour savoir to que toi, pasteur, to know that you le congrès dans lequel tu es entré là, the gossip where you are, tu as perdu la foi. You lost your faith. Il y a les pasteurs que nous on a respectés.
alors je te parle. Ils ne prêchent plus Jésus. Ils ont perdu la foi. Tout ce qu'on peut faire pour eux, intercéder. Il y a les frères évangélistes. C'était les sauveurs d'âme. Alors je vous parle. Ils ont perdu la foi. Parce qu'ils sont connectés à un feu satanique. Toujours en train de critiquer. Toujours en train de rabaisser. Toujours en train d'insulter. Toujours en train de dédier des choses. Il lance les pics. Il ne peut pas sortir une phrase sans lancer un truc négatif. Et toi, tu ne sais pas que cette personne, soit c'est un démon, soit c'est un objet que le diable utilise. Si ce n'est pas un démon, il faut que tu aies compassion pour son âme et que tu intercèdes. Il y a des gens qui aiment le Seigneur. Mais alors, je te parle. Ils sont assis chez eux. Vraiment, les affaires d'église, là, je ne veux pas voir ça. Les affaires de pasteur, là. Mon ami, il faut avoir pitié d'eux. Parce que le démon qu'ils ont chassé quand ils étaient chauds, le démon est revenu avec sept autres dangereux. C'est le démon là qui les manipule comme la tisse. That demon manipulates them. Toi qui aimes encore Dieu, you will still love God. Sache que le diable va te chercher. No, the devil will be after you. Toi qui prêches sur Christ, tu parles dans les marchés. You will preach everywhere. Ton statut est rempli des publications de l'église. You post things that concern the church. Tu n'es pas meilleur you are not better que ceux qui ont fait naufrage. Than those who broke down. Reste connecté au feu de Dieu. Remain connected to the fire of God. Tu abandonnes un peu. If you give up, ton retour sera catastrophique. It will be a catastrophe. On a vu dans l'église en 2005, we seen the church in 2005 une maman pasteur, a mother, she was pastor. Elle prêchait avec le feu. She was preaching with fire. Elle prêchait avec onction. She was preaching with anointing. Elle prêchait avec autorité. She was preaching with authority. Et cette maman, and that mother, elle donnait le témoignage comment Dieu l'a racheté de la rose croix. She said, Father, how God redeemed her from Dieu l'a racheté des mondes des ténèbres. Redeemed her from the kingdom of darkness. Et quand elle parlait, on pleurait parce qu'on était d'accord, tout ce que Jésus est bon. When she was talking, we cried. Jésus est puissant. Jesus was wonderful. Quelques mois après, some month later, quelques années après, some years later, elle est rentrée à la Rose-Croix. She returned in Amok. Notre aîné, un cousin, a cousin, était l'un des premiers dans notre famille paternelle à accepter Jésus. One of the first to accept Jesus in our fatherly family. Dans les années 90. In the year 90. Pasteur. Pastor. Mais alors je te parle. But as I'm talking, il est un grand franc-maçon au Congo. He's a great Freemason in Congo. Non, parce que tu aimes Dieu aujourd'hui que tu vas l'aimer demain. It's not because you love God today that you will love him tomorrow. Tu n'es pas là parce que tu es fort. You're not here because you are strong. Tu es là parce que Dieu t'a fait grâce. But because God has granted you the grace. Tu n'es pas assis à l'église parce que tu es trop conscient. You're not sitting in the chair because you are so conscious. Tu es là parce que Dieu t'a fait grâce. But because God has granted you the grace. Faire 20 ans dans l'église. Spend 20 years in the church, sans rentrer chez les féticheurs. Without returning to fetishes, sans rentrer dans la religion. Without returning religion. C'est une grâce. It's a grace. C'est une grâce. Amen. Il y a des gens qui ont cru, some people who believe, qui ont senti l'onction, they felt qui ont vécu les choses de l'esprit. They went through the things of mais spirit. Alors je te parle. But as I'm talking, écrase chez les marabouts. Ils sont en train de dire qu'elle est l'assistante du marabout. C'est elle qui écrase la nourriture pour que les malades viennent manger. The way we wish doctors. Mais qu'elle va te dire, moi je connais les pasteurs. But she say, I know pastors. J'ai été assistante, j'ai été enseignante dans une église de la place. I was elder in the church. Et tu auras l'impression qu'elle te dit des choses normales. You feel like what she says is normal. Mais ce qui sort de sa bouche vient d'un feu satanique. David, le diable, a utilisé sa bouche pour le détruire et détruire sa nation. Dieu a détruit près de 21 milliers de personnes juste parce que David a laissé que Satan lui parle. Just because David heard the voice of Satan. Quand tu es devant, when you are, quand les gens te regardent, when people are looking quand at tu es leader, when you are leader, si tu n'as rien reçu de Dieu, if you have received nothing from ne God, parle pas. Don't speak. Parce que toutes les personnes que tu vas perdre, because all those you are going to lose, leurs âmes te seront redemandées. Their souls will be asked to you. Le feu satanique, the evil fire, fait en sorte que makes that quelqu'un à l'église, someone in the church, devant le pasteur, est soumis. Before the pastor is submitted, devant Papa Dubois, est humble. Before Papa Dubois is mais humble, derrière les choses qui sortent de sa bouche, tu as l'impression que c'est un démon.
Tu n'as pas encore rencontré la chrétienne ici à l'église. Have you ever met that kind in the church? La personne qui est à l'église, the person who is in the church, la personne qui est diacre, the person who is deacon, qui est serviteur, servant, n'est pas la même personne qui te parle sur WhatsApp. It's not the same that talks to you on WhatsApp. Tu penses que c'est de sa faute? Do you think it's her fault? Le feu satanique l'a possédé. Evil fire has possessed her. Que ton oui soit oui. May your yes be yes. Que ton non soit non. Let your no be comment no. Tu fais pour être double face? How do you do to have a double face? Tu n'iras nulle part. You will go nowhere. Quand tu es comme ça. When you are like that. Est-ce que ce que tu dis en secret, tu peux assumer ça en public? Can you assume what you do in secret publicly? Est-ce que ce que tu dis contre l'ancien en secret, tu peux défendre ça en public? Can you defend it publicly? Si tu ne peux pas, ça veut dire que admit, ce que tu fais en secret là, secret, c'est le feu satanique qui te donne la parole là. Est-ce que tu réalises que Ananias et Saphira sont les serviteurs de Dieu, anciens d'église, le premier couple, couple de l'église primitive, mais tu sais ce que Satan a fait? You know Satan, il a rempli leur cœur. Ils sont assis devant comme front, les deux pasteurs ici. Like voici les places que Ananias et sa femme avaient à l'église. Mais Satan, but Satan a rempli leur cœur. Si Satan ne respecte pas des anciens d'église, ce n'est pas toi qui viens d'arriver qui va respecter. He will not respect you too. Vigilance. 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 Plusieurs sont à l'église. Many are in the church. Ils sont discrets. They are distracted. Alors que ça, le diable travaille en, dans leur cœur. You know, the devil is working their hearts. Progressivement progressively, pour les détruire to destroy them, et détruire un maximum de personnes. And destroy maximum of people. Mes amis, my friends, Dieu vous a appelé. God has called you. Dieu vous a choisi. God has chosen you. Dieu vous a équipé. God has equipped pour you sauver le monde. To save the world. Je parlais encore ici yesterday I was talking here, des jeunes filles à l'église but young girls in the church, qui mélangent avec le monde sans scrupule. Who mix with the world. Tu es vraiment né de nouveau. Are you really born again? Un né de nouveau qui pêche a le remords. He was born again and sin has a grip. Un né de nouveau qui va dans un lieu bizarre a le remords. He was born again and goes to a bizarre mais place. Mais toi, tu es né de nouveau. But you are born again. Tu vis plus qu'une païenne. Live more than a pagan. Tu bois plus qu'un païen. You drink more than a pagan. Tu marches avec des gens, tu les païens. You work with pagans. Et tu leur montres comment on fait le mal. And you show them how to do evil. Tu es sûr que tout va bien dans ta vie? Are you sure everything is okay in your life? Tu te remettras en question quand? When will you examine yourself? Tu te remettras en question quand? When will you examine yourself? Tout à l'heure, je parlais sur mon statut de cette jeune sœur qui est décédée parce qu'elle est née de nouveau. Elle est dans une église à Messassi, un prophète qui a une grande église. She was in the church of a prophet. Née de nouveau, elle me disait encore il y a quelques jours. She was telling me a few days ago. Elle est née dans l'église. She was born in the church. Elle est née dans l'église. She was born in the sa mère l'a éduquée dans l'église. Her mother educated her in the church. Elle a fait près de 8 ans à une chapelle. She spent more than 8 years at elle chapelle. Connaît Dieu. She knows God. Mais je lui dis, mais tu es née pour servir Dieu. But you were born to serve elle me dit non. No, she said. Elle ne veut pas servir. She doesn't want et je lui ai dit, and I told her, ton âme est discutée. Your soul is discussed. De pas d'une affaire moins d'une semaine. Less than 1 week. Si tu ne sers pas Dieu, les satanistes vont te détruire. If you don't serve God, satanists will destroy you. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? You know what she replied? On ne donne pas les conseils le week-end. Don't give advice on weekend. Mes amis, j'ai mal dans mon âme. Hein, parce que je crois que Dieu m'a suscité pour attirer beaucoup de jeunes. God has raised me to attract many young people. Pour les fabriquer. To make them, pour prêcher. To preach. Mais ces jeunes-là arrivent à l'église pour le désordre. Hein. But they come to the church to do this order. J'ai demandé ici un jour, on dit que la chapelle de la grâce a l'église qui a les plus belles filles de Yaoundé. Chapelle de la grâce has the most beautiful girls of j'ai demandé family. Un jour aussi aux belles filles que vous, votre beauté c'est à quoi finalement? What's the use of your beauty at the end? Vous faites la prostitution. You are doing prostitution. Vous sortez avec tous les hommes de Yaoundé. You have an affair with old men vous of ne Yaoundé. Sauvez pas les âmes. You don't save souls. Dieu vous a sauvé pourquoi? What has God saved you? Dieu vous a sauvé pourquoi? Why has God saved you? Je crois que la beauté c'est un talent. I believe beauty is a talent. Je crois que l'éloquence c'est un talent. I believe eloquence is a talent. Je crois que l'intelligence c'est un talent. I believe intelligence is ce a talent. Talent que tu as là the talent you have ne sert pas à Dieu. Is it not useful il va to te God? Sauver, il va te protéger. Will he protect you?
Mais qu'est-ce qui vous arrive? What is happening to you? Vous allez accuser qui? Who will you accuse? Moi, je ne vous prêche pas la vérité. I je vous parle seulement de l'argent. C'est vrai ça? Money, is it true? Je ne vous dis pas la vérité ici. Do I not tell you the truth here? Parce que quand vous quittez l'église ici, c'est seulement le sabotage qui est dans vos bouches. Hein? When you leave this, just moi, je ne vous prêche pas la vérité. Do I not preach you the truth? Je disais à cette jeune fille il y a deux jours. I told that young girl 2 days ago. Dieu t'a appelé. God has called you. Dieu t'a choisi. God has chosen you. Et je parle chaque jour ici. Hein. And I speak every day here. Quand vous sortez, vous vous en foutez de ce que j'ai dit. Out of there, you don't care about vous what partez coucher avec les satanistes. And you sleep with Satanists. Je vous ai dit ici. I told you here, les satanistes aiment Satanists love les filles des églises. Girls of churches, parce que vous êtes purs. Because you are pure. Il y a des détails dans lesquels je ne peux pas entrer par rapport à sa vie. Hein. I don't want to give details of her life, mais elle aimait Dieu. But she was loving God. Mais elle était partagée. But she was shared. Entre l'amour du monde. Discussed between the love of the world. Elle devait se marier en décembre. She had to get married in December. Elle me dit moi-même je sais que je suis la plus têtue des filles de ma mère. I know I'm the most stubborn of the daughters elle of my mother. Elle était contente d'être têtue. She was proud of being stubborn. Pendant que moi je parle ici, while I'm talking here, tu es en train de calculer un rendez-vous avec un papa là. You are thinking about the date you have. Tu t'en fous de ce que je dis parce que c'est pas moi qui donne l'argent. You don't care about what I'm saying because I'm not the mais one. Mais Dieu t'a appelé, madame. God has called you, madam. Quittez même l'église ici. Leave this church. Partez là où vous voulez. Go where you want. Mais si vous avez été appelé à servir Dieu, but if you have been called to serve God, ne blaguez pas. Do not joke. En quittant, insultez-moi. While living insult me, dites ce que vous voulez. Say what you want. Mais une chose est vraie. But one thing is true. Servez Dieu. Serve God. Amen. J'ai mal dans mon âme. I feel pain in my soul. Ils sont nombreux ici. You're numerous here. Le dépôt est là. They have anointing. Ils cherchent seulement les occasions pour faire le mal. They're just seeking occasions for the evil. Il y a plusieurs ici. C'est pas parce que tu es sainte, c'est que tu n'as pas l'occasion. C'est juste qu'il n'y a pas les dragons ces jours-ci. You have no womanizers these days. Si on te donne l'occasion, tu vas nous montrer le corriger du mal. If you are given an occasion, you will do evil well. Pasteur, pastor, même si vous riez avec les chrétiens, even if you laugh with dites-leur members, la vérité, pourquoi? Tell them the truth, why? Les âmes, their souls, le Seigneur va vous demander les comptes. The Lord asks your account. Et je dis à Dieu, est-ce que je n'ai pas parlé? Have I not spoken? Il m'a dit, tu as parlé. You spoke, he said. Mais comme elle était dans une autre église, as she was in another et moi, church, j'aime pas dire aux gens qui sont déjà nés de nouveau de venir, I don't like to tell the born again, sinon pas la conviction. If they are not convinced. Donc je lui parlais en disant, va à l'église, fais-moi le rapport. Qu'est-ce qu'on a prêché là-bas? Go to the church and give me the report. Elle m'a dit, je me suis endormi. Jusqu'à quand je suis entré, je me suis endormi. When I entered, I fell asleep. Non, je ne sais même pas si elle était partie. Mes amis, my friends, comme vous dites que vous avez le temps là, as you say you have time, les jours sont mauvais. Days are evil. Je vous parle avec la déchirure dans l'âme. I speak what's feeling pain in my soul. Vous ne pouvez pas aimer Dieu. You cannot love God. Et fricoter avec les fils du diable. And deal with the sons of the devil. Qu'est-ce qui vous arrive? What is happening to you? Qu'est-ce qui vous arrive? What is happening to you? Le niveau d'inconscience de l'église là-même, c'est quoi? What is the level of unconscience? Et ce qui est bien, c'est que c'est les pasteurs qu'on accuse. Hein. Pastors are accused. Ce sont les pasteurs qu'on accuse. Pastors are accused. Parce qu'on ne dit pas la vérité ici. Do we not tell the truth? On ne dit pas la vérité ici. Do we not tell the truth? Tu arrives à Paris, go to Paris. Toi qui aimais Dieu. You were loving God. Tu ne pries plus. You no more pray. Le week-end, tu es chez le show. The weekend, you go to your si tu meurs là-bas, on va dire quoi? If you die there, what would they say? Tu meurs chez le show, on va dire quoi? If you die there, what would we say? Tu peux au ciel ou tu peux en enfer? You just go to hell or heaven. Je demande. I'm asking. Le diable nous fait croire qu'on a le temps. The devil makes us believe that we have time. Je vous donne mon témoignage ici. Give you my testimony here. Quand mon beau frère est décédé, my, l'année passée,
J'ai été traumatisé. I was traumatized. J'ai dit à Dieu. And I told God. Même mon anniversaire ne fête plus. I won't celebrate my birthday. Tu peux aimer la fête comme moi. Faut te calmer. Hein. Tu peux aimer la fête comme moi. Toi, tu viens d'arriver. Hein. J'ai dit, je ne même le gâteau, j'ai refusé mon anniversaire passé. I refused a cake during my birthday. Je suis rentré en retraite spirituelle. I went to the spiritual retreat. Et j'ai dit à Dieu. And I told God. Tu m'as donné la santé. You gave me health, l'intelligence, intelligence, la sagesse, wisdom, l'argent, money, la grâce. Grace, l'onction, anointing, même si je dois mourir demain, even if I must die tomorrow, mais avant demain, but before tomorrow, je dois te donner tout ce que j'ai. I must give you all what I have. J'ai commencé à accélérer les travaux du chantier. I started running fast with the building site. J'ai dit à Dieu, I told je God, ne quitte pas la terre I won't leave the earth, sans laisser sur la terre that living on earth, quelque chose qui va aider les gens à le servir. Something that will help people to serve. Là où tu me vois là, where you are seeing me, j'ai la rage I'm enraged, pour bâtir un hôtel à Dieu to build an altar to God, qui a de la valeur that has value, de manière proportionnelle à ce qu'il a fait pour moi. Yes. To what he has done for ça fait me. Que si je meurs après, so if I die after, je suis en paix. I'm in peace. Amen. Les amis, my friends, l'inconscience actuelle de l'église m'inquiète. It's worrying me. Tu peux te coucher. You can't sleep. Tu ne te relèves plus. I no more wake up. Tu peux tomber enceinte. You can fall pregnant. Après, ça fait grossesse extra. After, tu meurs. You die. Tous les schémas sont possibles quand le diable t'a vendu. All ways are possible when the devil has already sold you. On vous dit servez Dieu. You are told to serve God. Servez Dieu. Serve God. Donnez-vous à Dieu. Surrender to God. Donnez-vous à Jésus. Surrender to Jesus. Elle dit, je finis de parler. Quelqu'un te dit là-bas, parle ta part là-bas. Ma vie, c'est ma vie. C'est pas ta vie. It's not your life. C'est la vie de Jésus que It's tu as. Life of Jesus you have. C'est la vie de Jésus qui t'a confié. It's the life of Jesus he has c'est la vie to de you. Jésus qui t'a prêté. It's Jesus' love he has borrowed to you. Tu es plus belle que qui est. More than who are you beautiful. Et quand tu meurs là, when you die, et qu'il enlève son souffle, when you remove his ton breath, beau corps change à l'instant. Your beautiful body changes. Celui qui était prêt à tout pour t'embrasser, he was ready to do everything to kiss celui you, qui était prêt à tout pour t'épouser, he was ready to do everything to marry a le dégoût. Has a disgust. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it quand mean? Dieu enlève sa part en toi, when God removes his tu n'es plus you. Rien. You are no longer anything. Maintenant, pendant que tu as la part de Dieu en toi, you have a part of God in qu'est-ce you? Que tu fais pour Dieu? What do you do for God? Tu es belle, you are beautiful, tu es beau, you are handsome, tu as l'argent, you have money. C'est ton argent. Is it your money? C'est ton argent. Is it your money? Il peut t'enlever ça maintenant. He can remove it to you now. On est dans quel monde là? Where are we? Les jeunes young people devaient être enragés, enflammés, embrasés had to be inflamed pour le Seigneur. For the Lord. Mais les jeunes de maintenant, but the young men of nowadays, ils font les caprices. They are doing whims. Les caprices. Whims. Je vous l'ai dit ici. I said it here. Chaque raison que tu trouves pour ne pas servir Dieu est un péché. Every reason you give not to serve God is a sin. Mon père m'empêche de venir à l'église. My father hinders me to come to the church. Et si tu meurs? And if you die? Mon gars m'empêche de venir. Ton gars? Your boyfriend. Tu meurs, ton gars prend une petite. Même pendant que tu as la mort, il prend la petite. Hein? Tu sais pas ça? Mes amis. My friends, si moi meurs maintenant là. If I die now. J'ai prêché. I preached. Dans les rues. Streets. Dans les parcs. Park. Moi en 2006, in 2006, je prêchais sur tous les sites de drague. I was preaching on all the sites. Je prêchais aux prostituées. I was preaching to prostitutes. Et actuellement, and presently, je dépense ce que Dieu m'a donné pour sauver. I spend what God has given me to save. Si c'est pour moi là, je m'investis I invest myself pour sauver les âmes. To save souls. Toi, tu fais comment? What do you do? Tu es seulement venu pour la délivrance. Have you only come for deliverance? Tu veux seulement la guérison. Or healing? Tu veux seulement le mariage. Or marriage? Et ce que tu veux seulement. Is it only what tu veux pas servir Dieu. Don't you want to serve God? Tu veux pas servir Dieu. Don't you want to serve God? Pensez vraiment que ça là,
On a bâti ça ou ce qu'on est en train de bâtir là, c'est pour venir s'amuser ici. On est peut-être tous pasteurs, mais on n'est pas été appelés de la même façon. Hein. On n'a pas les mêmes objectifs. Hein. On n'a pas les mêmes visées. Faites attention, vous qui venez servir ici. L'église ici n'est pas une église normale ou ordinaire. Ici, là, notre façon de servir Dieu est différente. Amen. C'est le cœur ici qui sert. Ce n'est pas le matu. Ce n'est pas impressionner les gens. C'est le cœur. Mes amis, my friends, vous ne voulez pas servir Dieu, pourquoi? Why don't you want to serve God? Qu'est-ce qui vous arrive? What is happening to you? Vous avez le temps. Do you have the time? Vous êtes trop jeune. Are you so young? Vous êtes trop belle. Are you so beautiful? Vous êtes trop beau. Are you so handsome? Vous êtes arrivé à Paris et vos vies, c'est vos vies. You're already in Paris and you live the way you want. Vous ne voulez pas vous sacrifier pour le Seigneur, pourquoi? Why don't you want to sacrifice yourself for the Lord? Ce que vous avez fait là est suffisant. It should be self-important. C'est suffisant. Self-important. Et il n'y a pas que la mort. Hein. There is not only death. Tu peux faire l'accident et Dieu peut se casser. You can have an accident with broken et feet. Demandez à Nana Lukenzo. Ask Nana Lukenzo. Quand ses deux pieds se sont cassés, elle a dit à Dieu. When her feet broke, she told God. Quand j'avais les deux pieds, si je te louais. When I had my feet, I was tu ne praising peux you. Pas you cannot m'enlever ça. Remove et je ne crois pas que c'est toi. I don't think it is comme you. C'est le diable. Remets-moi mes pieds. Give je vais encore te louer. Yes. Maintenant, now, si tu fais l'accident, tes pieds se cassent, tu vas dire à Dieu quoi? What will you tell God with broken Seigneur, feet? Quand j'avais les pieds, when je ne t'ai pas loué. Pardon, renvoie, je vais maintenant bien te louer. La main va casser maintenant les mains. Et la main de Dieu va casser les mains parce que tu te moques de lui. Tu as les pieds, tu ne le sais pas. Maintenant, il casse les pieds, tu veux le servir. De qui se moque-t-on? Tu as deux yeux. Quand les gens font les prophéties, oh, tel va mourir. Moi, j'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas que la mort. Il y a l'accident. L'œil peut se percer. On peut te verser un truc sur les yeux. Les deux, tu deviens aveugle. Tu vas dire à Dieu, renvoie-moi mes yeux pour que je te prêche bien. Quand tout avait les yeux, toi, prêcher. Ton visage qui est beau là, ta belle figure là, le diable peut t'envoyer les boutons. Tu dis, Seigneur, je mets l'huile sur mon visage, je mets le sang de Jésus. Quand papa Paul prie pour l'eau, je lave mon visage avec, les boutons vont augmenter. Parce que quand tu n'avais pas les boutons, tu n'as pas bien servi Dieu avec le visage qui était beau. Le peu d'argent que tu as, tu ne sers pas Dieu avec. Et maintenant, le diable sait ça. Tu dis, Seigneur, tu me donnes l'argent, je vais participer pour la grande église. Pour la petite, tu as donné combien? Mes amis, si tu veux servir Dieu, my friends, if you want to serve God, si vous voulez servir Dieu, if you want to serve God, servez Dieu bien. Serve God. Amen. Well. Celui qui sait faire le bien, he who knows how to do good, et ne le fait pas, does not do it, comme un péché, sins. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Curse is he who neglects the word of God. L'église ici devait être l'église où il y a le plus d'hommes à Yaoundé. This church had to be the church where there are many. Parce que nous qui aimons la fête, on nous avait expliqué. Explained. Les professionnels de l'ambiance. Professionnel que là où il y a les filles, where there are girls, les hommes viennent. Men come. C'est pas ça? C'est ça. Pour que la fête ait le sens, il faut que tu invites plus qui? Quand tu invites les filles, les hommes vont venir, non? Men, les balles, à l'époque, les balles. On dit entrée, 300 ou bien 1000 francs pour les garçons ou 500 pour les garçons. Filles, feu vert. C'est pas ça? C'est ça. Feu vert parce que s'il y a les filles, la fête a le sens. Yes. Voici dans une église où il y a les filles. Elles n'évangélisent pas. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est que si un nouveau frère à l'église qui a rendu témoignage qu'il a été béni, il voyage déjà, il a l'argent, il a ceci. Tu vois une soeur, le frère est assis là-bas, elle traverse. Elle vient évangéliser un frère qui est déjà évangélisé. Hey. Tout ce qu'elles savent faire, c'est que si on part à une conférence, elle rentre avec le numéro de téléphone. On vous dit évangéliser, mais les gens à l'église, vous n'évangélisez pas. Et vous ne comprenez pas que le corps que Dieu vous a donné là, c'est son don. Ton corps ne t'appartient pas. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple? Le temple. Saint-Esprit. Et que si vous détruisez ce corps,
Dieu va vous détruire. Est-ce que depuis les 6 premiers mois de l'année, tu as servi Dieu comme cela se doit? Il y a 4 niveaux de sacrifice. There are 4 levels of sacrifice. En vigueur dans la vie d'un enfant de Dieu. In force in the life of a child of God. Premier niveau. The first level. Le sacrifice de Jésus. The sacrifice of Jesus. Deuxième niveau. The second level. Le sacrifice de nos âmes à the Jésus. Sacrifice of our souls to troisième Jesus. Niveau. The third level. Le sacrifice de nos corps à Jésus. The sacrifice of our bodies. Quatrième niveau. The fourth le sacrifice level. De nos biens. The sacrifice of our goods. De nos biens. Our goods. Est-ce que vous savez que nous, do you know that we, appelés par le Seigneur, called by the Lord, notre argent, our money, c'est d'abord pour Dieu. It's first of all yes. For God. C'est le reste qu'on utilise we use the rest pour nos besoins. For our own needs. Mais en réalité, in reality, ce que Dieu nous donne, what God gives c'est d'abord pour le servir. It's first of all to serve. C'est la raison pour laquelle l'Église est ici. That's why this church, on donne sans s'arrêter. We give non-stop. On donne sans s'arrêter. We give non-stop. Mets-toi debout et prie pour toi. Mets-toi debout. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur devant toi. Et devant toi, je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, et que tu voudras. Oh, devant toi et devant toi je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi et devant toi je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. De ma vie et que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi, et devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Oh papa, et devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh. Jésus, oh, 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 tu m'as aimé. Jésus m'a aimé. Jésus, yeah, yeah. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh. Jésus, oh. Jésus, oh, 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 tu m'as aimé. Il m'a aimé, Jésus. Aimé. Jésus m'a aimé. Le roi est le roi des rois. Il m'a aimé. Tu m'as aimé. Jésus m'a aimé. Le roi des rois. Il m'a aimé. Tu m'as aimé, oh. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Jésus m'a aimé. Le roi des rois. Le roi des rois. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Est-ce qu'il t'a aimé, Jésus? Est-ce qu'il t'a aimé, oh? Jésus m'a aimé. Le roi des rois. Le roi des rois. Aïe.
m'a choisi. Jésus m'a choisi. Le roi des rois. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Jésus m'a choisi. Le roi des rois. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Aïe. Jésus m'a choisi, le roi des rois. Il m'a choisi, il m'a choisi. Jésus, Jésus m'a choisi, le roi des rois. Le roi des rois, il m'a choisi. Tu m'as touché. Prions que tu nous aides. Amen. Donne-nous encore plus de temps pour te servir. Amen. Donne-nous les moyens. Amen. Donne-nous la santé. Amen. Protège-nous. Amen. Nous voulons te servir. Amen. Nous voulons acheter pour toi les brebis perdues. Tu nous as donné la voix. Tu nous as donné l'éloquence, tu nous as donné l'argent, les moyens, la beauté, les relations, les réseaux sociaux pour prêcher. Mais aujourd'hui, nous sommes distraits. Nous te demandons pardon et nous prions que tu nous aides. Amen. Fais de cette maison une maison de sacrifiés pour sauver les âmes. Amen. Nous prenons l'engagement ce soir de combattre le feu satanique qui détourne la jeunesse. Amen. En prêchant Jésus. Amen. En prêchant Jésus. Amen. En prêchant Jésus. Amen. Seigneur, dans cette maison, tu as appelé plusieurs. Yes. Tu m'as dit en commençant ce ministère il y a 7 ans que 70% sont des serviteurs que je dois former. Mais plusieurs refusent l'appel. Plusieurs se découragent parce que le mariage n'arrive pas. Plusieurs se découragent parce que les enfants n'arrivent pas. Plusieurs se découragent parce que le travail n'arrive pas. Alors que la priorité que tu nous as donnée, l'ordre divin que tu nous as imposé, c'est d'aller dans les nations pour faire d'elles des disciples. Yes. En les baptisant. Seigneur, il n'y a que toi qui produis en nous le vouloir. Père, crée de nouveaux cœurs. Amen. Des cœurs aimables. Amen. Des cœurs compatissants. Amen. Des cœurs soumis à ton autorité. Amen. Plusieurs sont ici pour chercher leur miracle, mais pas pour chercher ta face. Plusieurs sont ici pour chercher leur solution et non pour chercher ta volonté. C'est pour ça que je te prie. Yes. De créer en nous des cœurs vrais. Amen. Des cœurs purs. Amen. Des cœurs humbles. Amen. Des cœurs soumis. Amen. À ta volonté. Amen. Et à ton autorité. Amen. Je prie pour ceux qui nous regardent sur internet, à la télé, qui nous écoutent à la radio. Je prie pour ceux qui sont là ce soir. Donne-nous d'être des sacrifiés pour le salut des âmes en cette génération. Amen. Seigneur, yes. Nous refusons la mort. Nous voulons encore vivre. Amen. Parce que nous avons à donner à ce monde. Amen. Là où le diable veut arracher nos âmes, hey. Que ton onction, yes. Nous préserve. Amen. Toi qui produis le fer, donne-nous les moyens. Yes. Les moyens spirituels. Yes. Les moyens financiers. Yes. Les moyens physiques.
Yes. Les moyens psychologiques. Yes. Les moyens mentaux. Yes. Les moyens matériels. Yes. Pour sauver les âmes. Amen. Oh Dieu, nous voulons prêcher dans tous les médias, dans toutes les chaînes de télé. Yes. Sur toutes les chaînes de radio. Yes. Nous voulons annoncer Jésus. Amen. Il y en a qui sont perdus. Il y en a qui sont distraits. Plusieurs ont été appelés, mais alors nous parlons. Ils ont mélangé ton feu au feu satanique. Ils ont fait alliance avec le diable à cause de la recherche de l'argent, hey, des biens éphémères, de la gloire des réseaux sociaux. Père, donne-nous la force. Amen. De les ramener. Amen. Donne-nous l'onction. Yes. Pour les racheter. Amen. Nous refusons de quitter cette terre sans avoir accompli notre but et notre mission. Que toute personne qui m'écoute ce jour, yes, soit équipée à partir de son cœur. Amen. Remplis nos cœurs, yes, du désir ardent et brûlant pour le salut des âmes. Amen. Qu'à Paris, yes, à Bruxelles, yes, au Canada, yes, aux États-Unis, yes, Yaoundé, yes, Douala, yes, dans le monde, yes, que nous sortions, yes, pour sauver les âmes. Amen. Tous ceux qui se plaisent à rester chez eux, hey, pour écouter la parole, mets-nous le feu dans le cœur pour sortir de la maison, yes, pour sortir de nos téléphones, yes, pour sortir de notre zone de confort, yes, afin d'aller racheter les âmes. Amen. Oh, tu as dit que ce que tu as contre nous, c'est que nous avons négligé le premier amour. Plusieurs ici, quand ils ont cru, ils prêchaient partout. Aujourd'hui, ils sont refroidis. Hey. À cause des mauvaises compagnies, my God, à cause des péchés personnels, hey, que ton feu, yes, le feu divin, yes, nous remplisse. Amen. Que ton feu, yes, nous remplisse. Amen. Que ton feu remplisse les pasteurs. Amen. Que ton feu remplisse les évangélistes. Amen. Que ton feu remplisse les anciens. Amen. Que ton feu remplisse les serviteurs. Amen. Que ton feu remplisse les diacres. Amen. Que ton feu remplisse les musiciens, les chantres. Amen. Que ton feu remplisse les jeunes filles, les jeunes garçons. Amen. Que ton feu remplisse les mamans et les papas. Amen. Remplis ton feu dans l'église. Amen. Pour sauver les âmes. Amen. Que ce feu qui est dans nos cœurs nous donne le courage, amen, de prêcher avec insistance. Amen. Dépose les moyens dans nos mains. Amen. L'argent. Yes. Pour payer les médias. Yes. Afin de sauver les âmes. Amen. Seigneur, s'il te plaît, agis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi.